Elles se sont levées tôt ce matin, bien plus tôt que d'habitude. La lumière du jour n'est même pas encore blafarde, et le soleil bien absent derrière cette sinistre colline. Il faisait encore frais, et la ville semblait comme dormir. Elles se sont levées tôt parce que le sommeil les avait fuies depuis quelques jours. Elles s'étaient engagées auprès de cet homme, Joseph, à faire la toilette de l'autre, celui qu'elles avaient suivi durant presque 3 ans maintenant, de loin il est vrai, à l'exception des repas qu'elles ont continué à préparer, mais aussi de leur lessive. Seuls quelques hommes avaient eu le privilège de former sa garde rapprochée. Elles, juste des femmes, qui devaient se contenter de le regarder, mais de loin. Il n'empêche, aujourd'hui, ce sont elles qui seront les plus proches de lui. Les autres. Ils se terrent et ils pleurent sur leur misère, égoïstement. Ce matin, elles doivent aller au marché, chercher des herbes, de quoi embaumer le corps de celui qui disait être. Elles entrent au marché, et là le bruit les assaille, toutes ces voix, tous ces cris qui tentent d'appâter le client, les voix de ceux et celles qui se moquent bien de ce qui s'est passé vendredi passé. Le marché, la vie qui continue. Pas le temps d'être en deuil, les affaires doivent continuer. Mais elles auraient besoin de silence, le silence du recueillement, le silence du deuil, le silence des larmes, parce qu'elles ont perdu l'incarnation de leur espérance. Alors elles se bouchent les oreilles et pleurent en silence, la mort de cet homme en qui elles avaient placé leur confiance, leur foi, leur espérance, celle qui leur permettait de croire que naître femme, ce n'est pas une calamité, ni une malédiction. Alors elle pleure des larmes dont chacune est un cri silencieux de douleur, au milieu des cris des hommes qui leur vendent ce dont elles ont besoin, pour rendre à Dieu le corps de celui qui était Dieu, et que la mort leur a enlevé, en même temps que leur espérance. Elles pleurent silencieusement, pendant que le monde s'égosille dans un assourdissant vacarme, restant sourd à l'invitation que Dieu lui adresse. Thank you.
Elles ont fini par trouver ce qu'elles cherchaient. Et alors elles sont sorties de ce lieu qui bruissait de vie pour aller faire un tombeau. En chemin, l'une finit par rompre le silence. « Je ne comprends pas pourquoi il est mort. De cette manière, rappelez-vous, il y a une semaine de cela, il entrait dans la ville comme un roi, et on le prenait tous pour un roi. Oui, mais c'était un roi juché sur un âne. Pourquoi avoir choisi une telle bête, lui qui aurait pu monter sur un cheval, peut-être même être assis dans un char? Mais non. Non, c'était un âne. Un âne qui l'a conduit à la mort. Ah, ça aurait été bien différent s'il avait assumé sa condition de roi. Mais pourquoi est-il mort après tout? Pour quelle cause obscure est-il mort ainsi? Lui qui portait toutes nos espérances possibles et imaginables? Oui, pourquoi est-il mort? Et surtout, pourquoi avoir accepté sans jamais se rebeller une fin qui est tellement humiliante? Après tout, ce ne sont que les pires crapules qui meurent ainsi. Il n'y a qu'à voir les deux autres qui ont été pendus au bois en même temps que lui. C'étaient deux voleurs de la pire espèce. Mais on dit aussi dans la ville que devant Pilate, il n'aurait même pas tenté de se défendre, comme s'il avait dès le départ accepté d'être l'agneau que l'on conduit à l'abattoir. Il s'est conduit comme une victime consentante. Mais pour expier quoi, je vous le demande? Moi, j'aurais aimé qu'il renverse le gouverneur comme il a renversé les tables des marchands devant le temple. Pour une fois que quelqu'un disait à ces maquignons, ces voleurs soutenus et encouragés par les prêtres, qu'ils sont pires que des charognards, et qu'ils profitent de l'obligation qui nous est faite de la part de la loi de Moïse de sacrifier les seuls animaux qu'ils nous vendent à prix d'or. Ces animaux certifiés par les prêtres, encore eux, ces voleurs assermentés par le Sanhédrin. Thank you.
En ce petit matin blême, elle marche vers le tombeau. Et c'est comme si une chape de plomb pesait sur leur épaule. Elle peine à avancer. Est-ce la charge de ce qu'elles devront faire dans un instant qui leur pèse? Est-ce le poids des regrets, de la désillusion qu'elles traînent derrière elles? Est-ce l'odeur de la mort au devant de laquelle elles vont? Elles marchent, silencieusement, l'une à côté de l'autre. Un dernier virage, et elles seront devant une grande pierre ronde, un peu semblable à une immense roue, de plus de 2 mètres de diamètre, immense et bien trop lourde pour qu'elles puissent la déplacer, même à 3. Alors, l'une d'elles demande aux 2 autres, « Nous sommes venus jusque-là, mais nous n'avons pas pensé à la pierre qui ferme le tombeau. Il est certain que nous n'arriverons pas à la déplacer. C'est impossible. Elle est bien trop lourde. Qu'allons-nous faire ?» Les 2 autres femmes ont entendu. Et pourtant, aucune ne s'arrête. Au contraire, comme aimantées par le tombeau et ce qu'elles vont y trouver, elles semblent accélérer le pas. Un dernier virage qui contourne un grand rocher et les voilà devant un trou dans la montagne. Un trou que plus rien n'obstrue, un trou dans la montagne comme une gueule ouverte dont rien ne sort. Le tombeau est ouvert, alors elles s'approchent, lentement, jusqu'à l'embrasure et se tiennent à la frontière du monde des vivants et celui du mort. Alors elles devinent, au fond de cette tombe, un homme qui leur dit « La mort est vide. Elle a été vaincue. Revenez sur vos pas et allez dire que le Fils de l'homme vous attend en Galilée. Allez, il est ressuscité. » Priant sur les mots d'un psaume qu'il nous reste encore à écrire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, nous rendons gloire, pour ta fidélité, pour ta loyauté sans faille. Les nations nous disent, où est votre Dieu? Mais notre Dieu est dans les cieux, lui qui en est le Créateur, comme il est le Créateur de tout ce qui vit sous les cieux, sur la terre et dans les mers. Notre Dieu est ici, maintenant, avec nous, parce qu'il nous l'a promis, parce qu'il est ressuscité. Et vous, vos dieux résident dans votre porte-monnaie, vous êtes même assis dessus. Ils sont dans votre science, dans votre raison.
mais aucun ne parle, ni n'écoute, ni ne sent. Ils ne sont que les reflets de votre démesure, celle qui vous autorise à vous croire tout-puissant. Écoutez alors, le tombeau dans lequel il a été enfermé, ce tombeau-là ne le contient plus. Lui, il est ailleurs. Il est là. Là où vous êtes, seul ou ensemble, réunis en son nom. Croyons, et ainsi nous vivrons comme lui, le ressuscité. Et vous, que croyez-vous? Et qui dites-vous qu'il est en ce dimanche de Pâques? Même loin, les uns des autres, en ces temps troublés, nous avons cheminé ensemble depuis lundi, et le ferons encore. Sur votre chemin même confiné, puissiez-vous trouver la paix, mais aussi la grâce, celles qui nous sont données jour après jour, depuis ce lointain matin de Pâques, par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Allons en paix, il est ressuscité. Amen.